l'expulsion de Tahir. Signez la pétition. La pétition, on la trouve en ligne à l'adresse suivante, www.pétitionenligne.ch/contre-l'expulsion-de-Tahir. Évidemment, ce lien sera mis au libellé du podcast. La détresse, je cite, la détresse de Tahir Tilmo est à la mesure des risques qu'il estime courir dans son pays, l'Éthiopie. Tahir Tilmo est détenu à la Favra depuis ce lundi 7 septembre en vue de son expulsion imminente. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Je viens de citer donc quelques mots de la lettre ouverte adressée au président du Conseil d'État, Genevois. C'est l'urgence, c'est pour cela que la pétition est en ligne, c'est pour ça qu'on invite toutes les personnes qui vont écouter ces propos, tes propos, nos propos, à aller sur le site internet, à la signer et à la faire signer par leur entourage, parce que, comme on l'a dit, il y a urgence. Voudrais-tu, pour commencer, nous dire les circonstances qui t'ont fait rencontrer Tahir Tilmo et te mobiliser pour qu'il puisse rester en Suisse ? Oui, tout à fait. Donc en fait, comme on l'a écrit dans la pétition, qui est donc une pétition écrite et pensée par une série d'amis de Tahir, on le connaît, certains d'entre nous, déjà depuis plus de 3 ans. On l'a rencontré dans le cadre des Cafés solidaires. Donc les Cafés solidaires, c'est un lieu, essentiellement un lieu à l'Université de Genève, la cafétéria de l'Université de Genève, dans lequel on se rencontre en fait. L'idée, c'était d'ouvrir les portes de l'UNI aux personnes réfugiées et d'échanger. C'est un lieu vraiment d'échange maximalement symétrique. Et donc Tahir était parmi les tout premiers à assister à ces Cafés solidaires qui ont donc lieu toutes les semaines. Et donc, on connaît Tahir depuis voilà plus de 3 ans. Alors, assez rapidement, après qu'on l'ait rencontré, il a reçu la décision de rejet. Donc, il a dû trouver une solution. Il a essayé de trouver une solution. Il a cherché en France, il a cherché en Belgique. Et puis, il s'est retrouvé de nouveau en Suisse, puisqu'il a... Il a Dublin suisse, ça veut dire qu'il a demandé l'asile en Suisse, il est obligé, il dépend de la Suisse. Et donc en fait, voilà, c'est comme ça qu'on le connaît, on le voit presque toutes les semaines et en fait on est plusieurs à le voir aussi en dehors des Cafés solidaires, c'est vraiment devenu un ami. Et donc il est incarcéré depuis le 7 septembre à la Favra qui est un centre de détention administratif ici à Genève. En vue de sa prochaine expulsion qui pourrait, on l'a dit, qui est imminente, donc elle pourrait survenir la semaine prochaine. C'est ça, donc c'est une prison en fait, hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas une prison pour des gens qui ont commis des délits, si ce n'est qu'il est toujours là alors qu'il n'a pas de papier. Donc il a été cueilli chez lui par la police lundi matin, il est encore dans son lit, ça s'est fait assez... assez brusquement, disons, on lui a acheté ses vêtements et puis c'est tout, il n'a même pas eu l'occasion de prendre ses affaires. Et donc là, l'expulsion est prévue mercredi, le vol est déjà annoncé. Et donc nous, évidemment, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour lui et donc on est toute une série à avoir réfléchi ensemble, des individus, des amis des cafés, mais aussi... Il faut reconnaître des associations comme Vivre Ici, on a aussi trois chaînes d'accueil, Solidarité TAD, des gens un peu de ces différentes organisations. Et on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire. Donc ça, ça a été une chose. En fait, moi, j'ai commencé par écrire une lettre qu'on a fait signer par les amis. Donc on est une cinquantaine vraiment de gens qui le connaissent. Et le but, c'était de soumettre cette lettre au courrier des lecteurs de la Tribune de Genève. Normalement, elle est passée ce matin, elle a dû paraître ce matin. Elle est uniquement signée par moi et ma collègue Anne-Cécile, mais on est 50 personnes derrière cette lettre. Et puis, une étudiante de l'université qui a été en binôme avec Tahir au sein d'un autre programme qu'on a mené deux semestres d'affilée à l'université, qui s'appelle UNIR, UNI Réfugiés, oui. Qui est un programme où une personne réfugiée est associée plus directement avec un étudiant justement pour découvrir la ville, pratiquer le français. Bah, cette étudiante qui était en binôme avec Tahir a proposé de réécrire un tout petit peu ce texte pour en faire une pétition. Et c'était évidemment une excellente idée. On a plus de 700 signatures aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'elle tourne seulement. Donc le but évidemment c'était simplement de faire une pression publique, de montrer que Tahir n'était pas du tout un individu dangereux, c'était quelqu'un qui était cultivé, qui a un diplôme universitaire, qui est réellement en danger dans son pays.
on peut en parler un peu plus Oui, si tout c'est à fait. pertinent. Alors justement, voudrais-tu peut-être préciser, parce que vous le notez hein, sur la lettre ouverte, dans la lettre ouverte, vous racontez un petit peu quelle est sa situation. Voudrais-tu peut-être nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'en fait, on entend très peu parler de l'Éthiopie hein, dans les médias. Pourtant, c'est quand même le deuxième pays d'Afrique. Il y a plus de 100 millions d'habitants en Éthiopie. Et ce qui caractérise l'Éthiopie, c'est qu'il y a des dizaines de peuples. Je crois qu'il y en a 50 ou 60. Et un de ces peuples, qui est en fait le peuple majoritaire, c'est les Oromos. Ils représentent à peu près 40% de la population. Ils ont leur langue, ils ont leur culture. Mais ce qui est particulier dans ce pays, c'est que, bon, malgré que les Oromos soient majoritaires, le pays est en fait dominé par une minorité tigréenne. Et le problème, c'est que ça fait plusieurs dizaines d'années que les Oromos ont petit à petit leurs droits qui sont bafoués. Un des gros problèmes depuis une quinzaine d'années, c'est les terres en fait Oromos qui entourent la capitale Addis-Abeba sont progressivement vendues à des capitalistes étrangers. Et sont progressivement mangés par un plan d'urbanisme d'Addis-Abeba, de sorte que sur 10 ans, il y a 150 000 fermiers oromos qui ont dû quitter leur village, en fait, sans recevoir aucune compensation. Donc, il y a une série d'autres soucis liés aux droits des oromos. Et donc, Tahir était engagé dans un groupe qui s'appelle le Front de libération des oromos. Puis il est aussi présent dans beaucoup de manifs. Oui, voilà, tout à fait. Il a continué de suivre de près l'activisme pour le peuple oromo. Donc oui, il est très engagé. Et les parents de Tahir étaient engagés dans ce front. Ils ont tous les deux été emprisonnés, torturés. Et quand ils sont sortis en 2011, la maman est décédée 2 jours après sa sortie de prison et le papa 1 mois après. Très clairement des conséquences de la torture. Et donc à ce moment-là, Tahir a aussi perdu son travail. Il était comptable. En fait, il travaillait pour l'État. Il était dans un département des finances, je pense. Il a perdu son travail. Et puis un jour, on est venu pour le chercher chez lui et il n'était pas là. Et à ce moment-là, il a décidé de fuir. Donc il a fui. Actuellement, quel est son état physique? Quel est son état d'esprit? Est-ce que, au vu de ce que vous faites pour lui, est-ce qu'il se sent tout de même accompagné? Est-ce qu'il a cette sensation-là? Ou est-ce qu'il est, ben voilà, au devant d'une telle situation, il a tendance à se recroqueviller et puis peut-être même à se résigner? Est-ce que vous avez des nouvelles comme ça de comment est-ce qu'il va? Oui, en fait, moi je l'appelle tous les jours. On peut le joindre en fait. Il y a un téléphone là-bas dans la prison. C'est quelqu'un, en fait, comme beaucoup de personnes réfugiées qu'on rencontre dans les cafés, c'est quelqu'un qui vit une situation très difficile. La sienne, bah, elle l'est d'autant plus que ça fait quand même 3 ans qu'il est débouté, qu'il cherche une solution, qu'il n'a pas de perspective dans sa vie. Mais donc, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est en grande souffrance psychologique, mais qui la cache très bien. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours souriant, qui est toujours prêt à aider, qui est très très généreux. Mais évidemment, il souffre et il partage ça seulement dans quelques rares cas avec ses amis proches. Mais là, c'est sûr que cette pétition, j'ai réalisé hier en lui disant qu'il y avait 600 signatures, ça lui a fait beaucoup de bien. Et j'ai appris par sa sœur en Éthiopie que ça l'avait particulièrement touché, en fait, de savoir qu'il y avait tout ce mouvement de soutien pour lui. Donc cette lettre ouverte, elle est adressée au président du Conseil d'État genevois. Selon vous, est-ce que lui pourrait sursoir au renvoi, il pourrait l'annuler? Enfin, quelles sont les possibilités, quelles sont les options selon vous qui existent? Voilà, donc en fait, ça a été je veux dire, mis à part ce travail un peu d'alerte de l'opinion publique, on a travaillé sur l'autre front qui était de lui trouver un avocat qui serait vraiment en mesure de le défendre. Parce que quand une personne arrive à Favra, elle reçoit en quelque sorte ce qu'on appelle un avocat commis d'office, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour le défendre, mais qui n'est pas du tout nécessairement quelqu'un qui est spécialiste du droit d'immigration. Et c'était le cas de l'avocat que le CPM avait
avait engagé pour lui. On a lutté sur deux fronts. D'une part, tout ce qui est alerte sur le plan public, et d'autre part, pour essayer de trouver un avocat pour Taïr, puisqu'il a donc un avocat commis d'office par l'OCPM, qui est probablement quelqu'un de très compétent, mais qui n'est pas du tout spécialiste des migrations. Et là, grâce à l'aide de la Ligue suisse des droits de l'homme, on a aujourd'hui Maître Buzer qui va prendre le dossier de Taïr. Elle le voit lundi. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'elle a remporté récemment 4 victoires. Elle a réussi à sauver 4 personnes du renvoi par 4 recours. Donc on a l'espoir, même si les chances sont maigres, on a l'espoir que ça marchera pour Taïr aussi. J'imagine depuis son arrivée en Suisse, il s'est très très bien intégré dans la communauté genevoise. Voilà, tout à fait. C'est quelqu'un qui a un optimisme extraordinaire et qui est une personne vraiment très agréable. Et donc, il s'est fait beaucoup, beaucoup d'amis parmi les étudiants, en fait. Donc, il a appris le français rapidement. Il se débrouille vraiment bien en français. Il a regardé énormément de films, en fait. C'est quelqu'un qui adore les films. Donc, il a regardé énormément de films en français. Je crois qu'il en connaît probablement même plus que moi. C'est quelqu'un qui a énormément de volonté, comme beaucoup de ces réfugiés. Quand ils arrivent ici, ils arrivent à la fin de leur périple et en général, les difficultés commencent parce qu'ils pensent être arrivés. Or, tout ce parcours d'intégration, mais déjà sur le plan professionnel, en fait, un parcours du combattant. En fait. Oui, c'est possible de faire recours, en particulier aujourd'hui avec la situation particulière du Covid, qui entre parenthèses est justement assez critique en Éthiopie. Donc voilà, il y a cette possibilité de faire recours et on a l'espoir, même si c'est vrai que les chances sont faibles, on a l'espoir. On a l'espoir parce qu'il y a des nouveaux éléments dans le dossier de Taïr. Peut-être ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut se demander pourquoi Taïr n'a pas obtenu l'asile. Et en fait, il y a des accords qui ont été passés entre l'Union européenne et l'Éthiopie il y a quelques années, je ne sais plus exactement quand, justement pour organiser le retour. En fait, voilà, depuis mars 2018. Donc, c'est un accord qui a été extrêmement critiqué parce qu'en fait, il prévoit une étroite collaboration avec les services secrets éthiopiens, qui sont connus pour leur travail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ces services secrets qui sont chargés d'identification des demandeurs d'asile concernés. Donc, tous ces gens, ça veut dire que la personne qui va rentrer au pays, elle va rentrer avec toute une série d'informations dans les mains des services secrets. Et évidemment, c'est extrêmement risqué. Ça ne fait qu'augmenter les risques. Donc, il y a eu une alerte, entre autres, d'Amnesty International assez rapidement en 2018 qui rappelait le rôle joué par ces services secrets dans la surveillance et dans la répression des membres de l'opposition en Éthiopie. Et donc on a un peu du mal à comprendre pourquoi ces accords ont été passés entre l'Union européenne et la Suisse faisant partie de l'espace Schengen et l'Éthiopie. Mais peut-être ce qui est important à dire quand même, c'est que l'Éthiopie est un allié de l'Occident, tant sur le plan économique que depuis quelque temps sur le plan de la lutte contre ce qu'on appelle l'extrémisme islamiste. En fait, l'Éthiopie reçoit des très gros budgets des États-Unis, plus de 3 milliards de dollars chaque année pour ce travail. Donc il y a une collaboration entre l'Occident et l'Éthiopie, et c'est évidemment ça qui justifie en fait non seulement des accords comme cet accord-là, mais aussi le fait que, j'imagine que vous êtes au courant, mais donc depuis juin, il y a un très très fort mouvement de contestation en Éthiopie, il y a eu plus d'une centaine de morts, il y a d'après Human Rights Watch, il y a plus de 9000 personnes en prison, des intellectuels, des journalistes, et la communauté internationale ne bouge pas. Et on n'en parle même pas. C'est d'autant plus choquant de se dire qu'un citoyen, notamment opposant au régime éthiopien, puisse être expulsé à ce moment-là, en particulier, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a la crise sur fond de crise sanitaire et en plus d'agitation sociale, dont on sait que quand on parle d'agitation, on est bien au pléonasme, quoi.
Exactement. Ouais, Ouais, tout à ouais. fait. Alors, voilà, cette pétition, on le rappelle, elle est disponible en ligne. Le site internet, donc, c'est www.pétitionenligne.ch avec slash contre l'expulsion de Tahir. On mettra le lien puisqu'il est un petit peu compliqué comme ça à énoncer. À quel moment est-ce que vous allez la remettre? Et l'idée, c'est que, évidemment, c'est de recueillir encore un maximum de signatures d'ici là. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a un peu fonctionné dans l'urgence, hein, puisque, je veux dire, on était dans l'urgence. Donc bon, là, la décision qu'on a prise, c'est de transmettre cette pétition au Conseil d'État, au président du Conseil d'État demain soir, avec les signatures qu'elle aura récoltées, ainsi que la lettre plus directement écrite donc par les amis de Tahir et les 50 amis de Tahir, signée par ces personnes-là, dimanche soir. Mais la pétition, on va continuer de la laisser tourner, parce que on a bon espoir que Tahir ne prendra pas cet avion mercredi et que le recours pourra aboutir. Et évidemment, plus on aura de signatures et plus on aura de pression pour ce recours. Peut-être, si je peux me permettre, on a réfléchi aussi avec des amis à qu'est-ce qui pourrait aussi favoriser ce dossier de recours. Il se trouve que, bon, la loi, évidemment, empêche une personne qui a ce qu'on appelle le papier blanc, c'est-à-dire qui a été déboutée, de travailler. Mais il y a quelques exceptions à Genève, surtout à partir du moment où un employeur désire employer la personne. On peut, dans ce cas-là, entreprendre certaines démarches auprès de l'OCPM avec tout le soutien qu'il faut pour que la personne trouve un travail. Donc ici, on lance un petit appel. Si un employeur veut aider Tahir, Tahir est quelqu'un qui a beaucoup de compétences, il est comptable, il a pas mal d'expérience, il a, je pense, 35 ans. C'est quelqu'un qui parle cinq langues, c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans notre société, dans le contact social. Et donc, si on pouvait lui trouver un job, si un employeur voulait lui proposer un emploi, ben, je pense que ça l'aiderait énormément. C'est, disons, un argument parmi d'autres qu'on pourrait potentiellement, je suis pas juriste, mais il me semble que ça pourrait être un argument utilisé dans le cadre du recours. Ouais. Et alors, juste pour en terminer, Caro, après, je me tourne vers toi si tu as des questions. L'agenda, parce que effectivement, l'idée, donc dimanche soir, c'est que, eh bien, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, eh bien, la pétition soit la lettre ouverte, pardon, soit envoyée. Et ensuite, parce que en fait, si c'est agendé pour mercredi, il va falloir être extrêmement réactif. Et j'imagine, enfin, si je pouvais me mettre dans la tête de Tahir, c'est terrible. Il y a une pression incroyable là qui s'exerce sur lui en se disant, ben, c'est dans 72 heures, quoi. C'est tout de suite là. À quel moment est-ce qu'on pourrait savoir que cette expulsion soit stoppée? Oui, je pense que c'est. En fait, j'ai pas la réponse à cette question. Et c'est clair que c'est un stress énorme. En fait, Tahir, ça fait des mois qu'il dort très mal, mais là, depuis qu'il est en prison, il ne dort plus. Et donc, quand on se parle au téléphone, moi, je m'en rends bien compte. Il mange ses mots. Il y a pas mal de confusion. Sa traductrice éthiopienne m'a dit même quand il parle en amharique, il a du mal à parler. Il est épuisé. Et le problème, c'est que si effectivement il ne prend pas cet avion, il va quand même retourner à Favra et il sera quand même dans l'attente du résultat de ce recours. Et je n'ai aucune idée du temps que ça peut prendre. D'accord. Donc effectivement, la marge de manœuvre, elle est extrêmement réduite. Et c'est pour ça qu'on invite, qu'on appelle vraiment toutes les personnes qui vont écouter ces propos, non seulement à signer la pétition, mais à la faire signer autour d'elle. Moi, j'imagine que son entrée en Suisse devait être un période vraiment très éprouvant. Est-ce qu'on sait un peu quel est ton... Oui. Comment oui, ça s'est passé? Oui, c'est intéressant ta question parce que il y a effectivement des informations assez dures à dire. Donc, Tahir a fait, ce font beaucoup d'Africains, entre autres les Africains de la Corne d'Afrique. Hein, on a beaucoup d'Érythréens chez nous en Suisse. C'est-à-dire qu'il est arrivé en Libye. Et là, il a embarqué sur un de ces fameux bateaux canoës. Et en fait, c'est Tahir qui a été responsable de pousser le bateau avec les personnes dessus dans l'eau pour le faire avancer. Et en poussant ce bateau, ben, le bateau s'éloigne de la rive. Tahir essaye de monter sur le bateau et on l'en empêche. Le bateau était déjà surchargé et Tahir s'est pas nagé comme beaucoup d'Africains.
Donc ça a été un traumatisme terrible. Il a fini par réussir à monter sur le bateau, mais il a perdu son sac avec tous ses papiers. Aujourd'hui, moi j'essaye avec lui, en lui donnant la main, d'aller dans le lac, mais même les pieds dans le lac, c'est vraiment un traumatisme, l'eau. Donc, et c'est à cause de ça qu'il a perdu tous ses papiers. Donc quand il est arrivé en Suisse, donc on lui a dit, ben, sans papier, vous ne pouvez rien faire. Alors il a dit, oui, mais je vais essayer d'obtenir des copies. Et donc ça a été un travail de fou, parce que c'est pas l'Éthiopie, c'est pas la Suisse, c'est pas l'Europe. Donc il a fallu retrouver les attestations de décès de ses parents, essayer de trouver des rapports attestant du fait qu'ils étaient décédés rapidement en sortant de prison. Il a dû retrouver aussi des preuves comme quoi il avait été mis sous arrêt. Et donc cette récolte de preuves en fait a été très difficile, et c'est probablement à cause de ça que son dossier a été rejeté. Mobilisons-nous, il y a clairement urgence, non à l'expulsion de Tahir. La pétition, elle est en ligne. Nous invitons toutes les personnes qui nous écoutent à la signer, à la faire signer. Et puis Julie, bien nous, nous resterons en alerte pour pouvoir continuer avec nos faibles moyens, certes, mais tout de même de faire l'impossible pour surseoir à cette expulsion et pour que Tahir puisse rester en Suisse, puisse se soigner, puisse panser toutes ses plaies. Non seulement c'est important pour lui, mais c'est aussi important pour nous. On ne rend pas juste service à quelqu'un, il peut aussi rendre service à notre société. Nous, on se tient, Voilà. quoi qu'il en soit, Julie, on se tient au courant. Tu nous diras pour la suite des opérations, pour la suite des événements, si une mobilisation, pourquoi pas, pourrait venir en soutien de la pétition, peut-être devant la Favra, qui sait. Mais quoi qu'il en soit, on se tient en alerte et puis on tient les pouces pour que Tahir puisse rester parmi nous. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre soutien.